tell them I just wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online sur Oldgen pour faire part d'un petit easter egg ou d'une information, vous voyez ça comme vous voulez. Alors c'est un abonné qui m'a envoyé ça sur Twitter il y a quelques jours. Personnellement je vais pas vous le cacher, je ne l'avais jamais remarqué, je n'avais jamais fait attention. Un gros GG à toi parce qu'on va dire que tu as vraiment l'œil pour ce genre de choses. Alors vous avez vu dans le titre, on va parler d'un sorte, d'une archive d'épidémie de zombies que vous pourrez vous-même retrouver dans la maison de Lester. Donc je vais vous montrer un screen où on voit que sur cette caisse il y a écrit Zombie Outbreak. Donc en traduction française ça veut dire épidémie de zombies, mais ceci se trouve dans la maison de Lester et on voit que c'est quand même des archives. Alors est-ce que Lester a déjà participé à ce genre de choses et qu'il a archivé dans cette boîte où on ne peut pas voir son contenu, ou alors c'est simplement un easter egg qui pourrait nous faire peut-être penser que un DLC en ce qui concerne les zombies arriverait, ce qui est fort probable étant donné que des personnes, que ce soit françaises ou américaines, avaient déjà évoqué ce sujet-là sur sur GTA 5, on n'en sait pas plus. En tout cas, Rockstar est vraiment très discret en ce qui concerne ce genre d'informations. Mais comme vous le savez, Rockstar aime bien dissimuler et cacher des choses dans leur jeu, que ce soit sous forme d'easter egg ou sous forme d'annonces réelles comme celle-ci. Bon, vous voyez ça comme vous voulez, une information ou un easter egg. Donc du coup, vous lâchez tous vos avis dans l'espace commentaire si vous serez content d'avoir un DLC zombie, ou si vous pouvez penser que cela sera vrai. Vous lâchez tous vos avis dans l'espace commentaire, vous lâchez un petit like si ça vous a plu, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux si ça vous fait plaisir, et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.